Comment obtenir une monture dans l'ordre? Voilà, le sujet de la vidéo est super simple. T'as déjà probablement été frustré de ne pas avancer, de mettre 30 000 années pour marcher dans l'antre, pour aller mourir et récupérer ton cadavre des années-lumière après. Dans cette vidéo, je vais te montrer les deux façons, très simples d'ailleurs, de récupérer une monture dans l'antre pour que tu puisses aller le plus vite possible. Comme ça, après, tu pourras chevaucher vers l'infini avec ta petite monture. Aucune limite de temps, tu as juste à appuyer dessus, tu l'invoques et tu vas absolument où tu veux, c'est quand même super pratique. Du coup, il y a deux façons de faire. La première, c'est lié au terrier, donc il faut avoir un petit peu débloqué de répute auprès de Venari jusqu'à débloquer cette zone. Ensuite, au niveau des terriers, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des événements qu'on appelle la chasse. Là, par exemple, c'est la chasse mangeur d'âme. Il y a quatre types de chasses différentes et ça se reset de façon bimensuelle, exactement comme les invasions de NZ. C'est-à-dire que du coup, sur une semaine, tu vas avoir deux chasses différentes et du coup, sur la semaine d'après, tu en auras deux nouvelles. Au total, il y a quatre chasses qui vont toujours dans le même ordre. Il y a qu'une seule chasse qui permet de récupérer la jolie monture, c'est la chasse du molosse d'ombre. Donc, tant que tu vois pas la chasse du molosse d'ombre, bon bah tu peux quand même le faire, ça va quand même te faire de la répute et compagnie, mais tu ne pourras pas avoir la monture, c'est le seul qui te permet de le faire. Sachant que tu peux également faire comme moi, et une fois que tu vois qu'il y a la chasse du molosse d'ombre, tu le fais sur plusieurs personnages, si t'en as déjà monté plusieurs, ça augmente tes chances de loot. Typiquement je l'ai pas eu sur le voleur, mais je l'ai eu sur le chasseur, bingo. Du coup la monture en plus elle est linkée à ton compte, donc bah je peux l'utiliser en voleur alors que je l'ai loot en chasseur, c'est quand même super pratique. Ça, tu peux savoir l'ordre des rotations, c'est toujours le même. Donc typiquement, là, c'est les mangeurs d'âme. Ensuite, ça va être les élémentaires. Ensuite, ça va être les mangeurs d'âme ailés. Et de nouveau, du coup, ça sera notre fameux molosse qui permet de l'obtenir. Ça, c'est la technique numéro 1. La technique numéro 2, elle va devoir demander d'aller se rendre dans un endroit qui est pas très très loin. Hein. Il est pas très loin. Tu vas ici, tu traverses cette porte. Et tu arrives dans Torghast, la tour des damnés. Là, il va falloir aller dans les couloirs distordus. Quand l'aile s'ouvre, hein, du coup, tu sais, il y a deux ailes par semaine qui s'ouvrent. Donc, il va falloir attendre que les couloirs distordus s'ouvrent. Et il va falloir faire à l'étage 8 des couloirs distordus. Et ça, ça sera la deuxième monture que tu pourras obtenir. Donc, soit l'une, soit l'autre, ça fait exactement la même chose. Celle-ci s'obtient dans les couloirs distordus, étage 8. Donc là, ça va demander à ce qu'il y ait la rotation des couloirs 8 qui soit ouvert. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, là, si tu la regardes tout de suite, t'as aucun moyen d'avoir cette monture, sauf en tuant les PLJ et en rabassant leur propre monture. Mais dès que les couloirs s'ouvrent ou dès que la chasse du molosse revient, tu pourras avoir tes chances d'obtenir cette petite monture qui va vraiment te faciliter la vie dans l'antre. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais juste faire une petite vidéo courte sur le sujet parce qu'on m'a déjà demandé plein de fois la question. Et je me suis dit, bon, allez, ça peut être pas mal de faire un petit sujet de vidéo dessus. Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, si tu le savais ou non. Est-ce que c'est utile ce genre de petit format de vidéos, et n'hésite pas non plus à me dire si tu l'as déjà eu et si t'es déjà un des chanceux qui permet de se balader vite dans l'antre en dehors du fait de jouer la classe Druid qui permet déjà de base de le faire. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.